Metal. Yo, Metal. On se retrouve aujourd'hui avec les Die Youngers and Youngers pour le Kiss Kiss Boom Boom, pour le lancement de notre prochaine tournée à Chartrenay. Représente. Parce que c'est une super ville, moi j'y ai fait plein de choses. Une fois, tu te souviens, Charles, on avait fait le mal. Est-ce que je peux vraiment, genre, présenter le truc? Juste en tout cas, n'hésitez pas à aller à cette ville, c'est une super ville, ok? Charles, par exemple, il vient d'Angers. On a dit qu'on venait de Pennsylvanie. 7% les amis, et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre grand cœur en or qui aime quoi? Qui aime le... Les gars. Qui aime le métal. Avec l'ère de l'internet, de plus en plus de groupes de musique financent leur carrière à l'aide de financements participatifs. Mais comment s'y prend-on? Réelle liberté de produire ou cyberaliénation? Reportage autour des Die Younger and Younger, un petit groupe de métal angevin qui semble maîtriser ses financements. Les 100% d'ici demain, on rend tout à leur manière. Ah non, on peut pas rendre l'argent. Et alors, pourquoi Avatar? Tu peux pas s'appeler Joe Dassin? Ah ouais, pourquoi? Joe Dassin, c'est le chanteur, c'est le chanteur des Beatles. J'ai pas d'avatar, moi, j'ai pas d'avatar. Avatar, c'est super! Bien, Avatar, qu'est-ce que ça fait d'être à la tête du management d'un groupe? Baptiste. Je sais pas jouer de la batterie, moi. Mais je suis né pour être Baptiste, y'a aucune raison que je sois management. Même pas Baptiste, c'est pas un prénom. C'est un très beau prénom. Ah ouais, management, c'est quoi? C'est pas une ville peut-être? On est dans une démocratie, Mathilde. Bah, apparemment, non, on a l'air d'être plutôt dans une oligue. Ça, par exemple, c'est quoi? C'est pas ma batteriste? C'est gênant quand tu fais ça à chaque fois. En fait, moi je suis Baptiste et je suis révoltée contre tout. Donc voilà, donc comme absurde. Et voilà, en fait, je hais les hommes. Mais est-ce qu'on peut instaurer un truc de parité? Si tu parles 4 fois, je parle 4 fois. Si moi, tu parles 4 fois, faut... je parle 4 fois. Si tu parles 4 fois, je parle 4 fois. Donc voilà, donc si t'as une bite, bah je te hais. Avatar? Quoi? C'est quoi le A sur la pancarte? C'est A comme avatar? C'est marrant de taguer comme ça, c'est l'aide de pseudo. Moi je vais pas taguer des J comme Julie. On avait pas dit qu'on arrêtait de taguer le mobilier urbain. Ton père il est urbaniste? Ton père il travaille à la préfecture? Non. Putain, mais voilà, mais aussi on fait de la musique avec des petits fils de bourge de... Ouais. J'ai une famille classe moyenne et ça me fout la rage. Du coup, je fais du métal en juin. Et vous vous plaisez au sein de ce groupe? Ouais. Est-ce que vous comptez y rester longtemps? Ouais. Vous faites quoi au juste? Ouais. Ça, je m'appelle Julie et Julie dans les deux sens du terme, pas les termes à Rome. Alors ma place dans le groupe, c'est surtout de chanter, parce que j'ai toujours pensé que à travers le chant s'exprime la muse de l'homme. Moi, ce que j'adore en tout cas dans l'atmosphère du groupe, c'est qu'on est, aïe, on est métal quoi. Julie, pardon, j'arrive. Charles et Julie semblent former un couple. Mike. Un couple. Mike. Pardon. D'être leader, je crois que c'est quelque chose que je me formalise pas tant que ça. Leader du groupe, on l'a dit quand on l'a fait. D'accord. C'est chez alors ma grand-mère. Pourquoi ce serait qu'on pas une leader? Parce que c'est chez ma grand-mère qu'on répète. On avait dit au début, c'est chez ma grand-mère, c'est moi le leader du groupe, les gars. J'en non, ai mais trop marre. Bah, du t'es oui, fait mais ça fait mal. Non, c'est pas, reviens. Bah non. Étrangement, Blue ne semble pas contrarié par les querelles du groupe. C'est même le contraire. Alors, les gars, ça veut dire que le groupe est pas dissous mal, ouais. Ah non, vous êtes conseillé. Wow. C'est super, ouais. C'est génial. J'ai toujours été plutôt au sommet dans ma vie. C'est quoi ça? Puis tu fais quoi là sur ta statue de merde là? Tu te prends pour qui? Pour Apollon là? Je prends pas la pose, je suis naturellement bien comme zoom, ça. Zoom sur ses couilles là, zoom sur ses couilles, vas-y, zoom sur ses couilles. Dégoûte. Tu craches pas sur mes choses comme ça. Je crois que je suis hyper amoureux d'elle en fait. C'est pas devant la caméra. Mathilde, elle a de la personnalité. Elle sait dire les choses. Bah, tu réponds pas à la question. Arrêtez de vous taquiner, on dirait que vous avez couché ensemble et tout, genre. Ah, c'est gênant. Ce serait trop absurde. C'est pas compliqué, c'est Mike. J'en ai marre que Julie m'appelle pas Mike. Bah moi c'est Julie, j'en fais pas tout un fromage. C'est du fromage de rien. C'est Mike Prince, les gars. Et alors comment vous composez? Bah on sait tous ensemble. Ouais. Est-ce que je peux composer tranquille sur... Ouais. Non mais c'est pour la chanson. Vous me dégoûtez là, vous me dégoûtez tous. Nous serons tous ensemble. Wow.
c'est ma meuf quand même, hein, là. C'est ma meuf. C'est ta meuf, c'est ouais, pas ouais, ouais, ouais. Hein, c'est un peu facile ça. Mais c'est ma meuf. Demande-lui même pas, tu as le droit d'aimer d'autres gens, hein, l'amour libre ça existe. Hein. Tu veux dire que le couple est dissous ou pas? Blue semble cacher quelque chose. Tu vois, si je t'appelle pas tout le temps Mike. Arrête de lui parler comme ça là. T'es pas son chien, ok? Mais c'est compliqué, tu peux être amoureuse de ça. Allô? Bah il est beau. Comment est-ce que vous définissez votre musique? Oh bah engagé. Je trouve que les politiques ne sont pas honnêtes. Politiquement, ouais, politiquement engagé. Je trouve que notre monde est rempli d'inégalités. Ultra rock'n'roll. La 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 la. Non. Je pense que ce qui est important avec notre groupe, c'est qu'on est unique, innovateur dans notre musique. Ouais, c'est ça, innovateur. On fait vraiment des compositions personnelles. Il y a personne d'autre qui fait ça. En fait. Vie n'a pas de sens. Visuel groupe, faudrait qu'on ait tous des cheveux longs et gras. Et qu'on s'appelle Cœur. Alors apparemment, il y aurait des problèmes d'alcoolisme et d'exclusion dans le groupe. Non, mais ça m'étonne pas que les journalistes disent ça. C'est des racontards. Parce que parfois, le statut d'artiste n'a vocation qu'à gentrifier. Ah ouais. Oui, tout à fait. J'ai raison. Tu parles de gendre parce que le bien, la semaine dernière... T'as la presse qui débarque et qui dit problème d'alcool, problème de d'exclusion. C'est quand même souvent... Enfin, c'est pas... Ouais. Il a racheté le parc d'attractions à côté de Noyon. Metal, vie, mort, destruction. Die Younger and Younger and Younger fait une petite vidéo sur Kiss Kiss. Attends, boom qu'est-ce boom dire, boom. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Die Younger and Younger and Younger. Non, Die Younger and Younger. T'as dit 3 Younger. Ils sont même pas dans le jeu, ils sont dessus de Sartre. Opposé aux Die Younger and Younger, les Die Younger and Younger and Younger, un autre mystérieux groupe de métal angevin semble particulièrement émouvoir Blue. Excusez-moi, Blue, vous téléphonez là-dessus. Je demande l'heure. Quand tout à coup, le drame survient, comme une évidence. Ouais, mais c'est souvent, parce qu'on écoute souvent un clip. Attendez les gars, c'est Blue c'est là-bas. Blue. Mais oh, Blue, le qu'est-ce qu'il fait? Les gars, il est avec les Die Youngers, Youngers and Youngers. C'est pas vrai. Non, je trouve ça marrant. Non, ça veut dire que Blue nous a trahis depuis le début, il fait pas coucou. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas du tout métal. Rock. Salut. Yo. Bon, bah comme... Bah, c'est la merde. Vu, voilà. Ouais, alors ça c'est vite résumé, Avatar. C'est pas la merde, forcément, on se relève. C'est la merde. Oh, yo. Bienvenue, on est les Die Younger, Younger than Younger. And Youngers. Le seul groupe de métal angevin qui va, et Blue nous a rejoint, il était là depuis le début. Ça prouve bien qui règne sur le métal angevin. Bientôt en tournée dans le Liégeois. Vers Liège. Belgique. C'est en Belgique, ouais. J'ai un pote, enfin ma grand-mère, clairement. C'est pas un pote, aussi. C'est ma grand-mère. Non.